tous. Nous mourrons tous. Les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants. Oh, Jésus, Maria, la Sainte Vierge. C'est inutile d'appeler le bon Dieu, parce qu'il y a si tellement beaucoup de pauvres créatures qui aillent le bon Dieu de tout leur courage, que ça fait un grand bruit ennuyant. Et le bon Dieu l'entend et il crie, qu'elle est foutre tout ce bruit, et il se bouche les oreilles, et l'homme est abandonné. À l'époque où l'on vivait tous en bonne harmonie, unis comme les doigts de la main, et les combites qui réunissaient le voisinage pour la récolte et le défrichage. Aujourd'hui, je travaille ton champ, toi, demain le mien. L'entraide, c'était l'amitié des malheureux. Ah, le temps des combites.
Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Ça va bien, mademoiselle? À la grâce de Dieu, oui. Quand je suis parti, il n'y a pas cette sécheresse-là. Une véritable malédiction à l'heure qu'il est. Tu parles du temps longtemps comme si tu étais déjà un homme d'âge. Oh, il y a longtemps que j'ai quitté le pays. Attends, à part que ça fera 15 ans. 15 ans que j'ai passé à l'entier. 15 ans à vu tomber la canne tous les jours. Tous les jours, de lever du soleil à la brume du soir. Jésus-Marie à la Sainte Vierge. Pour nous autres malheureux, la vie est un passage sans miséricorde dans la misère. Oui, frère, c'est comme ça. Il n'y a pas de consolation. En vérité, il y a une consolation. Je vais te dire, c'est la terre. Ton morceau de terre est ta liberté. Alors tu vois ton champ mûr couché devant toi le matin sous la rosée, et tu dis, moi un tel, gouverneur de la rosée, l'orgueil rentre dans ton cœur. Oui, mais la terre ne donne plus rien. Et quand par chance tu lui as arraché quelques patates et quelques grains de petit mil, les denrées ne font pas de prix au marché. Alors la vie est une pénitence. Voilà ce qu'elle est la vie au jour d'aujourd'hui. Comment c'est Delia? Bonjour. Et bonjour, belle soeur Anaïs. Comment va tout le monde, ma belle négresse? Tout le monde est bien, ma commère. Et toi-même? Pas plus mal, non? Sauf mon homme qui est couché avec la fièvre. Mais ça va passer. Oui, chère, ça va passer avec l'aide du bon Dieu. Alors, ton nom, c'est Anaïs? Oui, Anaïs, c'est mon nom. Moi-même, on m'appelle Manuel. C'est ici que je reste. Moi-même, je ne vais pas loin non plus. Je te dis merci pour la connaissance. Est-ce que nous nous reverrons encore? Parce que comme qui dirait, j'habite porte pour porte avec toi. En vérité, de quel côté? Là-bas, dans le tournant du chemin. Pour certains que tu connais, bien-aimé Delira, je suis leur garçon. Et qu'est pas ça? Merci, maman. C'est un bon clairon. Je vais prévenir le voisinage. Assez de chagrin, je t'en prie, maman. Depuis ce jour d'aujourd'hui, je suis ici pour le restant de ma vie. Je suis arrivé dans les pays étrangers. J'ai vu la misère face à face. Mais je me suis débattu avec l'existence pour retrouver le chemin de ma terre. C'est pour toujours. Assieds-toi, je t'en prie, maman. Hier soir, j'étais assise là. Le soleil était couché, il y avait dans le bois un oiseau qui criait sans arrêt. J'avais peur de malheur et je songeais. Est-ce que je vais mourir sans revoir Manuel? C'est que, petite moi, je suis vieille, j'ai des douleurs, le corps n'est pas bon, la tête n'est pas meilleure. Et la vie est si difficile. L'autre jour, je disais à bien-aimé, je lui disais, bien-aimé, comment allons-nous faire? La sécheresse nous a envahis, tout dépérit, les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants. Le vent ne pousse pas les nuages, c'est un vent maudit du levant au couchant, il n'y a pas un seul grain de pluie dans tout le ciel. Alors, est-ce que le bon Dieu nous a abandonnés? Le bon Dieu n'a rien à voir là-dedans. Ne déparle pas, mon fils. Ne mets pas de sacrilège dans ta bouche. Je ne déparle pas, maman. Il y a des affaires du ciel et des affaires de la terre. Ça fait deux. Ce n'est pas la même chose. J'ai vu que vous avez déboisé les mônes. La terre est toute nue, sans protection. Ce sont les racines qui font amitié avec la terre et qui la retiennent. Sinon,
La pluie écorche la terre, le soleil est chaude. Il ne reste plus que les roches. Je dis vrai. C'est pas le bon Dieu qui abandonne le nègre. C'est le nègre qui abandonne la terre. Et il reçoit sa punition, la misère, la sécheresse, la désolation. Je ne veux plus t'entendre. Tes paroles ressemblent à la vérité. Et la vérité est peut-être un péché. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour cousin. Le tonnerre me fend en deux si tu n'es pas un nègre bien planté. C'est un nègre bien campé. Oh. Dans le temps de ma jeunesse, là je m'avais rabougri, mais je le dépassais d'une tête. Non. Demande à Dorélien. Délire, cher, je vais te faire un thé contre le saisissement. Bon, on dit comme ça que dans ce pays d'Antilla, ils parlent une autre langue que nous autres, comme qui dirait un jargon. Est-ce que tu la parles, cette langue-là? Pour sûr. Et moi aussi. J'ai traversé plusieurs fois la frontière. Ces Dominicains-là, ce sont des gens comme nous-mêmes, sauf qu'ils ont la peau plus rouge que les nègres d'Haïti, et leurs femmes, ce sont des mulâtresses à grande crinière. J'ai connu une de ces bougresses. Elle était bien grasse, pour dire la vérité. Question de comparaison avec les femmes d'ici, rien ne lui manquait. Elle avait de tout et de bonne qualité. Je pourrais faire un serment, mais destine me cura après. Destine chérie, c'est pas la langue qui compte, non, c'est le reste. Tu peux me croire. Je ne suis pas ta chérie. Tu es un vagabond, un homme sans aveu. Bon, je vais te demander encore. Est-ce qu'ils en ont de l'eau? En quantité, Jérôme. L'eau coule d'un bout à l'autre des plantations. Et c'est une belle canne qui pousse là. Le plus grand rendement de notre canne créole. Tu pourrais marcher d'ici à la ville sans rien voir d'autre que la canne. La canne de tous côtés. Tu dis alors qu'ils ont de l'eau. Et à qui elle est toute cette terre, toute cette eau? À un blanc américain, Mr. Wilson qu'il s'appelle. Et l'usine aussi. Tous ses environs, c'est sa propriété. Alors, des habitants? Il y a des habitants comme nous? Je veux dire avec une portion de terre, la volaille et quelques bêtes à cornes? Non. Seulement des travailleurs pour couper la canne à temps et temps. Ils n'ont pas une poignée de terre, pas une goutte d'eau. Tous travaillent pour Mr. Wilson. Ah. Si le travail était une bonne chose, il y a longtemps que les riches l'auraient accaparé. J'ai laissé des mille et des mille haïtiens du côté antillais. Ils vivent et ils meurent comme des chiens. Mata un haïtiano ou un perro. Tu es un haïtien ou tu es un chien, c'est la même chose. Voilà ce qu'ils disent les hommes de la police rurale, les vraies bêtes féroces. C'est une insolence. Je vais m'en aller, frère. J'aimerais causer une autre fois avec toi de ce pays d'Antilla. Alors, adieu, oui, compère. Adieu, compère. Au revoir, frère. Ok. Venez, mes cousins. Au revoir, voisin. Merci pour la politesse. Au revoir, compère. Au revoir, cousin. Tu t'es levé de grand matin, petite moi. Est-ce que tu as dormi ton compte de sommeil? Bonjour, maman. Papa, je te dis bonjour. Comment ça va, mon fils? Mieux, papa. Et toi? Je n'ai pas dormi, non. Je n'ai pas bien dormi. Je me suis réveillé au mi-temps de la nuit. Et je n'ai fait que me tourner et me retourner jusqu'à l'avant-jour. C'est peut-être le contentement qui te demande, cher. Quel contentement? Et la sauce fanchon? Quoi la sauce fanchon? Par rapport à l'eau. Sèche comme le plat de ma mère. Et la sauce laurier? Tu es persistant, mon nègre. Pas une goutte non plus. Pour courir la bonne eau, il faut aller jusqu'à ma routière. Et les calebasses remplies pèsent l'eau sur le chemin du retour. Ah, malheur!
bien manger, petite moi. Maman, comment faites-vous pour vivre? À la grâce de Dieu, mon fils. Ça ne sert à rien la résignation, maman. Ça vous casse les bras. On attend les miracles, on attend la providence. Chapelet en main, sans rien faire. On prie pour la pluie, on prie pour la récolte. On dit des horizons des saints et des rois. Mais la providence, laisse-moi te dire, maman, c'est le propre vouloir du nègre de ne pas accepter le malheur. Il y a d'autres miracles que le fruit de ses mains. Tu as la langue habile. Tu as voyagé dans les pays étrangers. Tu as appris des choses qui dépassent mon entendement. Je ne suis qu'une pauvre négresse sotte, mais tu ne rends pas justice au bon Dieu. C'est lui le Seigneur de toutes choses. Il tient dans ses mains le changement des saisons, le fil de la pluie, la vie de ses créatures. C'est lui qui donne la lumière au soleil. Il dirige les esprits des arbres, de la mer, des sources. Papa Loco, dit-il, met à gué, il dit, vous m'entendez? Et Loco a tissou répond, que votre volonté soit faite. Et Agwetaroyo répond « Amen ». Est-ce que tu as oublié toutes ces choses? Il y a longtemps que je ne les avais plus entendues, maman. Aïe, mon fils, c'est que c'est la vérité, oui. Plante, ô mes plantes, je vous dis honneur, vous me répondez respect. Pour que je puisse entrer. Vous êtes ma maison, vous êtes mon pays. Plante, je dis, liane de mes bois. Je suis planté dans cette terre, je suis lié à cette terre. Plante, oh mes plantes, je vous dis honneur, répondez-moi respect pour que je puisse passer. Bonjour, grand-père. Et le nègre qui a retourné hier dans Tia? C'est moi-même. Tu es le garçon de bien-aimé? C'est moi. Hé, hey, compère, t'as pas vu passer ma jument rouge? Comme quoi on refait connaissance avec le pays, frère. Entendez voir, ça fait deux. C'est pourquoi je suis venu ici. Je me disais comme ça, peut-être qu'il reste un petit filet d'eau caché. Mais pourquoi foutre avez-vous coupé le bois? Les chênes, les acajous, tout ce qui poussait là-haut, hein? En voilà des nègres conséquents, des nègres sans mesure. Que veux-tu, frère? On a éclairci pour le bois neuf. On a coupé pour la charpente. On a refait les entourages des jardins. On ne s'en fait pas nous-mêmes. Hé! Hey! La roue jaune! La roue jaune! Aurélien, je vais te parler franchement, mon père. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Cette question de l'eau, c'est la vie ou la mort pour nous. La salvation ou la perdition.
J'ai passé une partie de la nuit les yeux clairs. J'étais sans sommeil à force de réflexion. Manuel, j'ai calculé comment sortir de cette misère. Et plus j'examinais la chose dans ma tête, plus je voyais qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et tout droit. Faut chercher l'eau. Chaque nègre a sa conviction, n'est-ce pas? Mmh. Eh bien, moi, j'ai fait le serment. Je trouverai l'eau. Je l'ai amenée dans la plaine. Et comment vas-tu faire? Espère et tu verras. Et pour le moment, confiance pour confiance. C'est un secret entre nous. Que la vieille Altagas me crève les yeux, je ne dis mot. Bon, et si j'ai besoin de ton concours, je peux compter sur toi? Soyez assuré. D'accord? D'accord. En vérité? En vérité, trois fois. Hé, hey, la roue jaune! La roue jaune! Alors, tu es de retour, mon fils. J'ai quelque chose à te demander, maman. Ce matin, dans le bois, j'ai rencontré un nègre qui m'a dit respecter gravement. Comment est ce nègre? C'est un nègre noir, dru et membré, avec des cheveux en grain de poivre. Et des yeux enfoncés profonds. Oui. C'est Gervilain, le maudit, le chien, le vagabond. Hier, j'ai fait route avec une fille. Nous avons causé d'amitié. Quand je lui ai dit qui j'étais, elle m'a tourné le dos. Quel genre de négresse c'était? Avec des grands yeux, des dents blanches, la peau fine. Elle m'a dit son nom, Anaïs, qu'elle s'appelle. C'est la fille de Rosanna et des deux femmes au brun. Une gueule bonne à cueillir les imbéciles, avec des yeux de vache laitière. Quant à sa peau, je m'en fous. Et pour ses dents, j'ai jamais ri avec elle pour les remarquer. Pourquoi parles-tu d'elle comme d'ennemi, papa? C'est une histoire ancienne. Le sang a coulé. Racontez, papa, je vous écoute. Eh bien, mon fils, quand Feu Johannes Longenis est mort, tu étais à Antilla à l'époque. Il a fallu arriver au partage des terres. Par lui, on était tous parents. Il avait fait des enfants sans compter. Avec ma propre grand-tante, il a eu Doriska, le papa de ce Gervilain, la malédiction d'enfer sur sa tête galeuse. Un partage, ça se fait avec force discussion, c'est vrai. Mais on est la famille, n'est-ce pas? On finit toujours par se mettre d'accord. La terre n'est pas un drap. Il y a de la place pour tous. Voilà qu'un beau matin, Doriska s'amène avec sa famille et toute une bande de partisans et prend possession. Nous autres, nous allons voir ce qui se passe. Ils étaient déjà en plein combat, Doriska et sa bande, et ils n'avaient pas ménagé le clairin. Mon frère défunt sauveur Jean-Joseph, le bon Dieu ait pitié de son âme, n'étant pas capon, s'approche le premier. Doriska, il dit, tu n'agis pas dans ton droit. Ôte-toi de ma terre, répond Doriska, ou je vais te hacher en morceaux que même les chiens vomiront. Alors tu m'injuries, fait sauveur. La merde, répond Doriska, et ta maman ceci, et ta maman cela. Oh, tu n'aurais pas dû dire ça. Il tire sa machette avant l'autre et l'étend raide mort. Et la bataille a commencé. Il y a eu quantité de blessés, moi-même. Et Sauveur est mort en prison. C'était mon frère cadet, c'était un bon nègre. J'écoute. On a fini par partager la terre avec l'aide du juge de paix. Mais on a partagé aussi la haine. Maintenant, c'est fini. Il y a nous, il y a les autres. Et entre les deux, le sang. On ne peut enjamber le sang. Ce Gervilain est un homme rempli de mauvaiseté quand il boit le clairin durant son esprit. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Je dis que c'est dommage. Mmh.
c'est bien que tu arranges la tonnelle. C'était tout pourri, maman. Parce que j'ai prévenu Dorméus. Dorméus? Longan, mon fille. C'est papa Ledba qui t'a montré le chemin du retour. Nous devons le remercier. J'ai déjà invité la famille et le voisinage. Tu m'entends, petite moi? Je t'entends, oui, maman. Ce sera pour après demain, si Dieu veut. Si Dieu veut. Demain, tu auras beau pour acheter 5 gallons de clairin et 2 bouteilles de rhum. Ça fait une grosse dépense, maman. C'est un grand devoir que nous avons à remplir, mon fils. J'ai. Tu m'entends, petite moi? Papa, les gars, c'est bon. Tes enfants, t'es salis. Tes enfants, t'es salis. Merci, merci pour les manger et les boire. Je vois que vous avez fait vos mal avec cette sécheresse, mais ça va se ranger. Les bons et les mauvais font une quoi. Moi, Legba, je suis le maître de ce carrefour. Je fais prendre la bonne route à mes enfants créoles. Ils sortiront du chemin de la misère. Fais ça pour nous, papa. Fais ça pour nous, papa. La misère est trop grande. Et sans toi, nous sommes sans défense. Grâce à Miguel Cora. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Pas pour toi, sauf ton respect. Un jour vient, un jour s'en va. Ce serait ton tour une autre fois. Laissez-nous continuer cette cérémonie. Monsieur Manuel est retourné. Où est-il, ce Manuel? Je suis là, oui. Non, réponds-moi, oui, papa. Oui, papa. On dirait que tu es impertinent, pas vrai? Non. Réponds-moi, non, papa. Non, papa. Au courant, nous me laisser. Ah, ok, ok. Nous me laisser, nous pas
Adieu, père. Oh, adieu, Manuel. Le courage. Nous nous battons avec la vie. Bonjour, grand-mère. Bonjour, frère. Comment est ton nom? Mon premier. Mon premier. Viens ici que je t'appelle. Je te défends de parler à cet homme, oui? Tu as compris? Mon père, bonjour. Le bonjour. Et c'est tout? Pas encore. Pas encore. Mais je suis sous sa trace. Parle-moi d'Antilla encore. C'est un pays, c'est froid, non? 20 fois plus grand qu'Haïti. Mais tu sais, je suis fait avec ça. Je suis ça, cette terre-là. Je l'ai dans le sang. Et elle a déteint sur moi. Sur toi aussi. Mais à Antilla, il n'y a plus de richesse. On vit plus à l'aise. Ici, on doit se gommer dur avec les distances. Et à quoi ça sert? On n'a même pas de quoi remplir son ventre. Et on est sans protection contre la malfaisance des autorités. Le juge de paix, la police rurale, les arpenteurs, ils vivent sur nous comme des puces. J'ai passé un mois de prison avec une bande de voleurs et d'assassins parce que j'étais descendu en ville sans souliers. Et où est-ce que je peux trouver de l'argent? Je te demande, mon compère. Alors, qu'est-ce que nous sommes, nous autres, les habitants, les nègres pieds à terre, méprisés, maltraités? C'est une question, je vais te répondre. Nous sommes ce pays et il n'y a rien sans nous. Rien du tout. Qu'est-ce qui plante? Qu'est-ce qui récolte? Qu'est-ce qui arrose? La canne, le café, le coton, le riz, le cacao, les bananes, les vivres et tous les fruits. Qui les fera pousser si ce n'est pas nous? Et avec ça, nous sommes pauvres, pas vrai? Nous sommes malheureux, pas vrai? Nous sommes misérables, pas vrai? Mais sais-tu pourquoi, frère? C'est parce que nous ne savons pas encore que nous sommes une force. Une seule force. Tous les habitants, tous les nègres, des plaines et des mônes, réunis un jour, quand nous aurons compris cette vérité, nous levons d'un bout à l'autre du pays et nous ferons l'assemblée générale des gouverneurs de la Rosée. Le grand combat des travailleurs de la terre pour défricher la misère.
Je te dis bonsoir, Anaïs. Ôte-toi de mon chemin. Raconte-moi ce que je te fais. Et pourquoi nous sommes ennemis? Je n'ai pas à te bailler d'explication. Je suis pressée. Laisse-en passer. Réponds-moi d'abord. Je ne veux pas te faire des violences, Anaïs. J'ai de la bonne amitié pour toi. Crois-moi, en vérité. Aïe, mes amis, en voilà un homme entêté. On dirait qu'il n'a pas d'oreille pour entendre. Je te dis de me laisser continuer mon chemin. Je te cherchais tout bateau, mais tu t'es caché comme si j'étais le loup-garou lui-même. Je voulais te parler parce que je sais que tu peux m'aider. Moi, t'aider? Comment ça? Je te dirai si tu veux m'écouter. Les gens vont nous voir. Personne ne vient, et même si. Est-ce que tu n'es pas fatiguée, Anaïs, de toute cette haine qu'il y a à l'heure qu'il y a entre nous? On a assez de peine comme ça avec l'existence, c'est vrai. Parce que l'existence est devenue difficile, Manuel. Laisse-moi partir. Alors, tu n'as pas oublié mon nom? T'en prie, ne me tourmente pas. J'ai un grand causé à faire avec toi, Anaïs, tu sais. On n'aura pas le temps, la nuit vient. Laisse-moi. Est-ce que tu as peur de moi, Anaïs? Je ne sais pas. Demain, vers le tard de l'après-midi, dans le petit bois, près de la tanière, je t'attendrai. Non. Tu viendras, n'est-ce pas, Anna? Ah, tu me tourmentes. Et c'est comme si j'avais perdu mon bon ange. Pourquoi me tourmentes-tu, Manuel? Va en paix. Va reposer, ma négresse. Je vais t'espérer, Anna. Bien-aimé, oh! Bien-aimé! Il y a des nouvelles. Encore des tripotages que tu viens me raconter? Non. Ce que je te dis est la vérité du bon Dieu. Saint-Julien est parti et qu'on paie l'Octama aussi. Ils retourneront. Le cheval connaît la longueur de sa corde. Mais ils sont partis pour de vrai. Oh! Et Julie, la madame de Saint-Julien, répète qu'ils vont essayer de passer la frontière du côté de Grand-Bois pour aller trouver du travail à Dominicani. Qu'est-ce que tu veux? Cette sécheresse, c'est décourageant. Il n'y a qu'une se résigne pas à périr. Ils préfèrent laisser la terre des anciens pour aller chercher la vie au pays étranger. Et Charité, la fille de Comme Sylvina, est partie aussi. Tu ne me diras pas. Ouais, c'est comme ça. D'autres vont la suivre sûrement. Elle est allée à la ville, elle va finir dans le péché, les mauvaises maladies. Mais vaut mieux être laid que mort, dit le proverbe. Nous allons tous mourir si ça continue. Et moi, je ne demande pas autre chose. À quoi bon vivre si je ne peux plus passer mon tambour en bandoulière et conduire le combite en chantant et boire mon compte de clairin après? Je te demande, pourquoi je vis encore? Jésus la Vierge, si tous les jeunes s'en vont, qui donc enterrera nos vieux os pour qu'au dernier jour du jugement, ils soient assemblés entre Satan et le Père éternel? Ne m'énerve pas, Delira. Et le bon Dieu va se fâcher d'attendre ainsi nommer son nom pour un oui pour un non. Un aigle ingrat que vous êtes. Cette terre vous a nourri pendant des générations. Elle est encore bonne et ne demande qu'un peu d'eau. La pluie viendra. Ils doivent avoir une toute petite patience. Allons leur parler, compère Antoine, pour les empêcher de partir. Fils de Caro, baille-moi ton as. Je n'ai pas d'as. Baille-moi cet as. Tricheur impertinent que vous êtes. 10 de trèfle. 9 de trèfle. Baille-moi ton as. Mais je n'ai pas d'as. Manuel! Reste un moment, j'ai quelque chose à te dire. Baille-moi cet as tout de suite. Ah, macaque, tu te croyais de force à jouer avec Hilarion et Hilaire. Ça t'apprendra à coquin. Manuel! Comme quoi tu causes beaucoup aux habitants, n'est-ce pas? Tu causes toutes sortes de paroles, il paraît. Eh bien, ce sont des paroles de rébellion. Elles ne sont pas du goût des autorités. Ne dites pas que je n'étais pas prévenu. C'est tout? C'est tout.
Je te salue, Manuel. Je te salue, Anna. Alors, tu es venue? Je suis venue, tu vois, mais je n'aurais pas dû. Toute la nuit, j'ai lutté. Toute la nuit, j'ai dit non. Mais au matin, je me suis levée au chant du coq. Et j'ai été au bout pour avoir une raison de sortir. Et tu as une bonne vente au marché? Adieu, mon frère. Quelques mesures de maïs, c'est tout. Manuel, oh. Je t'écoute, oui, Anna. Je suis une négresse sérieuse, oui, tu sais. Aucun garçon ne m'a touchée. Je suis venue parce que je suis sûre que tu ne seras pas abusant. Pourquoi que j'ai confiance en toi? Pourquoi que j'écoute tes paroles? La confiance, ça vient tout naturel et tout vrai. Avec un regard, ça suffit pour savoir la vérité ou la menterie. Depuis le premier jour, tu m'entends, Anna? Depuis le premier jour, je savais que tu n'avais pas de fausseté, que tout était clair en toi et propre comme une source, comme la lumière de tes yeux. Ne commence pas avec les galanteries, ça ne sert à rien et ce n'est pas nécessaire. Moi aussi, après notre rencontre sur la route, je me disais à moi-même, il n'est pas comme les autres et il a l'air bien sincère. Mais quel mot il parle. Jésus, Marie-Joseph, c'est trop savant pour l'entendement du mari. Ne commence pas avec le compliment, ça ne sert à rien, ce n'est pas nécessaire. Souris comme la toute réelle. Et je vais m'envoler comme elle si tu continues tes flatteries. Est-ce que je ne vais pas t'asseoir? Ici, tu ne salueras pas ta robe. Quel est ce grand causé que tu avais à me faire? Et comment mon Anaï, je voudrais bien savoir, je pourrais aider un homme comme toi. Tu vois la couleur de la plaine, la récolte a péri, il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce que vous avez fait contre? Une seule chose, crier votre misère aux lois, offrir des cérémonies pour qu'ils fassent tomber la pluie. Mais tout ça, ce sont des bêtises, des macaqueries. Tu n'as pas peur de respecter les vieux de Guinée, Manuel? Non, j'ai de la considération pour les coutumes des anciens. Mais le sang d'un coq ou d'un cabri ne peut faire vivre les saisons, changer la cause des nuages. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la fatalité que veux-tu? Suppose, Anna. Suppose que je découvre l'eau et je l'amène dans la plaine. Tu ferais ça, Manuel? Oui, tu le feras. Tu es le nez qui trouvera l'eau. Et tu marcheras au milieu de tes plantes. Pas moi seulement, Anna. Tous les habitants ont leur part. Toujours la bienfaisance de l'eau. Aïe, Manuel. Aïe, frère. Toute la journée, ils affilent leurs dents avec des menaces. L'un déteste l'autre. Les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. Et ils ont pris deux cadavres pour le drapeau. Il y a du sang sur ces cadavres. Et le sang n'est pas encore sec. Je sais, Anna. Mais écoute-moi bien. Ce sera un gros travail de conduire l'eau jusqu'à Fond Rouge. Il faudrait un concours de tout le monde. Et s'il n'y avait pas de réconciliation, ce ne serait pas possible. Mais... laisse-moi te raconter. Au commencement entier, on était sans défense, sans résistance. Celui-ci se croyait blanc, celui-là était nègre. Mais il y avait pas mal de mésententes entre nous. On était éparpillés comme du sable. Et le patron marchait sur ce sable. Mais lorsque nous avons reconnu que nous étions pareils, lorsque nous nous sommes rassemblés pour la Huelga, la Huelga? On dit plutôt la grève. La grève? Qu'est-ce que c'est ce mot? Regarde, tu vois ce petit doigt, comme c'est maigre. Et celui-là, pas bien fort. Et celui-ci, pas bien gaillard. Et ce autre, pas bien fort non plus. Et c'est ça, tout seul. Eh bien, maintenant regarde, est-ce que c'est assez solide? On dirait que oui, pas vrai. Eh bien, la grève, c'est ça la grève. Un an de mille voix qui ne font qu'une. Qui s'abat sur la table du patron avec le pesant d'une roche, non! Je te dis non, et c'est fini. Pas de travail, pas de zafra, pas d'un brin d'herbe coupé. Si tu nous paies par le juste prix et le courage de nos bras. Et le patron, qu'est-ce qu'il peut faire, le patron? Appeler la police, c'est ça. Parce que les deux se complicent comme la peau et la chemise. Embarquez-moi ces brigands, on n'est pas des brigands. On est des travailleurs, on est des prolétaires. Et on reste en têtu sous l'orage. Malgré la faim, la police, la prison, il y en a qui tombent, mais le reste tient bon. Et pendant ce temps, la canne attend, est pourrie sous pied, l'usine attend, le patron attend, il attend, avec tous ses calculs et tout ce qu'il avait escompté pour remplir ses poches. Et à la fin des faits, on est bien obligé de composer. Alors quoi qu'il dit, on ne peut pas causer, sûr, puisqu'on a gagné la bataille. Et pourquoi? Parce qu'on est soudé en une seule ligne, comme les épaules des montagnes. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de force sur terre, ni en enfer, pour l'ébranler, pour la détruire.
Tu vois? Et moi, quel est mon rôle? Quand j'aurai déterré l'eau, je te ferai savoir et tu commenceras à parler aux femmes. Tu diras à cousine Intel, on raconte que ce garçon de bien-aimé avait trouvé une source. Mais il dit que c'est tout un tracas de l'amener jusqu'à la plaine. Il faudra un combat général. Mais comme on est fâché, donc ce ne serait pas possible. Et l'eau restera là sans profit pour personne. Et puis tu mettras la causée sur la pente de la sécheresse, de la misère. Mm-hmm. Comme les enfants faiblissent et tombent malades. Tout de même s'il y avait l'arrosage et que ça changerait du tout en tout. Mm-hmm. Tu diras, cette affaire de Doriska et de Sauveur avait peut-être fait son temps. Et que l'intérêt des vivants passerait avant la vengeance des morts. Tu as compris, ma négresse? J'ai compris. Et je t'obéirai, mon nègre. De mon côté, je suis responsable de mes habitants. Et ils accepteront. Je suis sûr et certain. Je vois déjà le jour où les deux parties seront face à face. Alors, frères, est-ce que nous sommes frères, diront les uns. Oui, nous sommes frères, feront les autres. Sans rancune, sans rancune. Tout de bon, tout de bon. Alors, en avant pour le combat. En avant pour le combat. Comme tu as de la malice, j'ai pas beaucoup d'esprit moi-même, mais je suis rusé aussi, oui, tu verras. Toi-même, tu as plein d'esprit. Et la preuve, c'est que tu vas répondre à cette question. C'est une devinette. Tu connais l'emplacement de bien-aimé? C'est un bel emplacement, non? On pourrait bâtir une case là. Deux fenêtres, une perron, une balustrade. Qui sera la maîtresse de la case? Lâche-moi. J'ai chaud. Qui sera la maîtresse du jardin? Lâche-moi. Lâche-moi, j'ai froid. Il est temps pour moi de partir. Tu n'as pas répondu à ma question, Anna. Tu n'as pas répondu à ma question. Non, Manuel. Alors, c'est oui, Anna? C'est oui, chérie. Mais laisse-moi aller, t'en prie. Alors, adieu, mon maître. Adieu, Anna. Adieu, quel est ce sortilège? Protégez-moi, Vierge Altagrâce. Certains maudits connaissent les maléfices qui changent un homme en bête, en plante ou en roche. Je ne suis plus la même, qu'est-ce qui m'arrive? Ô maître de l'eau, tu connais toutes les sources, même celles qui dormaient dans le secret de ma honte. Tu l'as réveillée et elle m'emporte. Je ne peux pas résister. Tu prendras ma main et je te suivrai. Tu prendras mon corps dans tes bras et je dirai, prends-moi. Et je ferai ton plaisir et ta volonté. C'est la destinée. Bonsoir, cousine. Comme quoi, tu as eu du retard au bout? Oui, le maïs ne se vendait pas. Et je ne sais ce qu'il a, ce cheval-là est tiré, tiré du. Et tu ne crains pas de rentrer après la brume? Non, il n'y a pas de malfaiteur sur cette route. Il y a les mauvais esprits, les démons, les grands diables. Je demande pardon à Dieu Saint-Jacques-Saint-Michel, aidez-moi. On dit qu'il y en a un dans ces parages. Et de quel côté? Dans le bois, près des lataniers. C'est peut-être pas vrai. Et de toute manière, tu ne passes pas par là, n'est-ce pas? Ce n'est pas ta route. Non. Tu mens. Tu mens et honte. Je vous ai vu de mes propres yeux. Lâche cette bride, tu es sous. Sous? Tu vas prétendre que je n'ai pas vu qu'il a mis ses pattes sur toi et que tu n'as rien fait pour l'en empêcher? Et même si c'était vrai, de quel droit tu te mêles de mes affaires? Ça regarde foutre. Nous sommes de la même famille. Est-ce que ta maman n'est pas la propre sœur de ma défunte maman? Ouch, tu sens le tafia, tu me fais tourner le cœur. Tu es bien méprisante, mais tu te conduis comme une jeunesse. Et avec qui encore? Avec un vaurien qui a vagabondé dans les pays étrangers comme un chien sans maître. Le garçon de bien-aimé, le neveu de sauveur pour ainsi dire. Ce qui a le plus ennemi parmi les ennemis. Anaïso, je te parle, oui Anaïse. Tu n'as pas fini de m'invectiver? C'est que j'étais en colère. Alors tu me dis excusez. Alors je dis excusez. Anaïse,
Est-ce que tu as oublié de quoi je t'ai causé l'autre jour? Quant à ça, jamais. C'est ton dernier mot? Le dernier. Je n'ai pas besoin d'envoyer Doris, mais mon oncle te demander à Rosanna? Non, c'est inutile. Tu te repentiras, Anaïs. Je fais un serment que le tonnerre me réduise en cendres et la Vierge me crève les yeux si je ne me venge pas. Tu me fais pas peur? Je suis un homme de parole. Marque bien ce que je te dis. Il regrettera ce nec d'avoir croisé le chemin de Gervilin Gervilis. Qu'est-ce que tu prétends faire? Malheur à lui, je répète. Un jour, tu comprendras cette phrase et tu mordras tes poings jusqu'aux os. Mmh. Allez. Tu es tracassé. Mais oui, je le vois. Tu ne réponds pas. Ce n'est pas bien, mon fils. Alors, c'est que tu n'as plus confiance. Delira, est-ce que tu vas le laisser en paix à la fin des fins? Je ne te demande pas pour moi, maman. Tu as fini de manger? Oui, je suis jusque-là. Et toi, maman? Je n'ai pas faim, mon fils. Pardon, mon fils. Je dis pardon pour toutes ces plaintes. Elles sont sans raison. Je me suis fait tellement de mauvais sang pour toi lorsque tu parcourir ces mornes. Je te regarde disparaître derrière les baillarons et tout d'un coup, mon cœur s'arrête. S'il ne revenait pas, s'il s'en allait pour toujours, je sais bien que ce n'est pas possible. Aussi, je prie mes anges et mes saints comme s'il y avait un danger sur ta tête. C'est que, mon fils, tu es mon seul bien sur cette terre, avec mon vieil homme, tout désagréable qu'il est, mon pauvre bien-aimé. N'aie pas de peine pour moi, maman. Et bientôt, je t'apprendrai une bonne nouvelle. Tu entends, cher? J'ai le temps cassé parce que tous les jours, j'attends l'événement. Je suis impatient. Quelle nouvelle? Quel événement? De quoi parles-tu, Manuel? Il est trop bonheur pour le dire, maman. Mais ce sera une réjouissance. Tu verras. Tu as fait choix de quelques filles, hein, Emmanuel? Combien de fois je me suis dit, il ne me reste pas longtemps à vivre. Est-ce que je ferai le petit de mon petit? Dis-moi son nom. N'est-ce pas, j'ai bien deviné? C'est pas ça la nouvelle, maman. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Ça se pourrait aussi. Mais ne me demande pas, maman. Avec tout le respect que je te dois, c'est un secret à cause de certaines circonstances. Voilà que tu as des secrets pour ta propre maman, alors qu'il est. Comment elle est cette fille? Ce n'est pas une de ses bimbèches au moins. C'est une négresse qui n'a pas sa pareille dans tout le pays. Quelle est sa couleur? Elle est noire-noire ou bien disons rougeâtre? Noire-noire. Mais je vais demander si elle est les grands yeux ou non. Un yeux comme ci ou comme ça. Si elle est sa taille, si elle est grasse ou maigre, c'est une négresse à des grands traits, soit des cheveux courts. Et puis, tu as tout de même son portrait que c'était devant toi. Tu es risée, maman. Bon, je dis paix à ma bouche. Je ne veux rien savoir. Je ne me mêle de rien. Allez-vous-en, monsieur. J'ai à laver ça, c'est...
Elle a la douce, la bonne, la coulante, la chantante, la bénédiction, la vie. Tu as remarqué notre Manuel depuis deux jours. Il est comme s'il était tombé dans un nid de fourmis. La nuit, je le vois se remuer sur son matelas et s'agiter. Ce grand matin, je le vis qui riait tout seul et pour son compte. Bien-aimé mon homme, est-ce qu'il aurait l'esprit de ranger notre garçon? Que veux-tu que je te dise? Je ne suis pas dans sa tête. C'est un nègre remuant, ce Manuel. Un nègre mouvementé, voilà tout. Toi, tu voudrais l'avoir tout le temps dans les plis de ton caraco comme un petit garçon. Laisse-lui donc la paix. Les jeunes poulains, c'est fait pour galoper dans la savane. Ne sois pas craintif, il n'y a personne. Tu crois qu'il y a de l'eau en suffisance? J'ai fouillé jusque-là, pas un trou, plusieurs. Un grand bassin, je te dis. Tu es fort, oui, Manuel. Non, non, mais j'ai de la foi dans la vie, la foi que les hommes ne peuvent pas mourir. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme pour l'eau, faut fouiller profond dans tes paroles pour trouver leur sens. Je suis sûr qu'un jour, tout homme s'en va de la terre. Mais la vie elle-même, c'est un fil qui ne se casse pas, qui ne se perd pas. Et tu sais pourquoi? Parce que chaque nègre, pendant son existence, il fait un nœud. C'est le travail qu'il a accompli. Et c'est ça qui rend la vie vivante dans les siècles des siècles. La place de l'homme sur cette terre. Jésus-Marie la Vierge, comme tu es savant et toutes ces idées elles viennent de ta tête, tu n'as pas mal à la tête des fois. Tu veux me moquer, hein? Mène-moi à la source. Ça sent le frais. Ça sent le vent et l'humide. On est comme sur un îlet. On est loin, Manuel. On est au fin fond du monde. Au commencement du monde, tu veux dire? Parce qu'au commencement des commencements, il y avait une femme et un homme comme toi et moi. Et la femme et l'homme entrèrent dans la source et se baignèrent dans la vie. Viens. C'est le gardien de l'eau. C'est le gardien de l'eau. Ses racines sont comme des pattes. Elles tiennent l'eau. Il a grand âge. Il a grand âge. On ne voit pas sa tête. Sa tête est dans le ciel. Montre-moi l'eau, Manuel. Regarde. Je te salue, ô bénite. Et regarde pas là encore. Il y en a tout partout. Je la vois. Je l'entends. Anna. Mon aigle. Sa main si lourde lui arrachait une douceur intolérable. Je vais mourir. Son corps me brûlait. Il desserra ses genoux et elle s'ouvrit à lui. Il entra en elle, une présence déchirante. Son corps allait à la rencontre du sien, dans une vague fiévreuse. Une angoisse indicible naissait en elle, un délice terrible qui prenait le mouvement de sa chair. Une lamentation haletante monta à sa bouche et elle se sentit fondre dans la délivrance de ce long sanglot qui la laissa anéantie dans l'étreinte de l'homme.
Il l'a trouvé, il l'a trouvé. Serviteur. Adieu, mon. Delira, comment va la vie? Elle va changer la vie, elle va changer. Parle leur chef, explique-leur l'affaire. C'est par rapport à l'eau. Nous vivons mon retour à Fond Rouge, je la cherche. Je l'ai trouvé. Une grande source capable d'arroser la plaine. Chacun aura sa besoin et sa suffisance. Tu as fait ça, mon fils. Tu l'as trouvé, l'eau. C'est non. Vrai. Respect devant toi. Ton papa te dit respect parce que tu es un grand nègre. Oui, chapeau bas devant toi, Manuel Jean-Joseph. Ah, garçon, garçon. Tu es contente, maman? Je suis contente pour nous. Je suis contente pour la terre. Je suis contente pour les plantes. Raconte, mon fils, où elle est cette eau? C'est pas un courant de rien du tout. Non, c'est une eau conséquente. En quantité pour tous les habitants. Et c'est une grosse affaire. Tu dis tous les habitants. Tu ne comptes pas les autres. Je veux parler clair et selon la vérité. Vous-même, vous m'écoutez, maman. Et vous comprenez l'Aurélien. Nous écoutons, oui, Manuel. Bon. Combien de notre côté sommes-nous de nègres valides? 14. Et les autres partisans du défunt Doriska, ça doit faire à peu près autant. Papa, maman, considérez bien. Comprenez l'Aurélien, réfléchis. Seuls n'arriveront jamais à faire à bout de ce travail. Un canal de bonne longueur par la plaine. Le bois éclaircir pour le faire passer. Et puis l'eau, c'est pas une propriété. C'est le bien commun. Quel droit aurions-nous? Le droit que tu l'as trouvé. Le droit que les ennemis n'ont pas de droit. Dis-moi, franc, ce que tu comptes faire. Allez trouver les autres. Je leur dirai, c'est vrai ce qu'on répète, oui, compère. J'ai trouvé une grande source qui peut arroser toute la plaine. Mais pour l'amener jusqu'ici, il faut le concours de tout le monde. Voilà ce qu'il faut. Ce que nous ne peut pas faire, deux peuvent le faire. Baille-nous la main. Ferme ta grande gueule, palabreur. Je ne veux plus t'entendre. Et si tu continues, je te tannerai la peau à coups de bâton. Maman, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ah, mon fils, c'est que tu me demandes de choisir entre toi et bien-aimé. Non, entre la raison et la déraison. C'est une question de vie ou de mort. Doriska et Sauveur sont déjà sans des poussières. Le temps passe, la vie continue. J'ai déjà pris grand deuil pour Sauveur. C'était mon beau-frère, un homme de bien. Mais il n'a jamais eu de place pour la haine. Dans le cœur de délire à délivrance, le bon Dieu m'entend. Et toi, compère Aurélien? Je suis avec toi, chef. La réconciliation, c'est la seule manière de sortir de cette situation. Et les autres accepteront si tu leur parles comme il faut. Je vais annoncer la nouvelle. Quant à cette question de réconciliation, ce sera à toi de leur parler. Uh-huh. Serviteur, Delira. As-tu Aurélien? Attends un petit moment. L'autre jour, tu voulais savoir le nom de la fille, pas vrai? C'est Anaïs. Anaïs? La négresse de Rosanna, c'est pas possible. Songe donc, nous sommes ennemis. Dès quelques jours, il n'y aura plus de nuit à Fond Rouge, maman. Et bien aimé, tu penses qu'il sera d'accord? Oh, sûr. Naturellement, il va se mettre d'abord en colère. Mais c'est lui qui apportera la lettre de demande à Rosanna. Demain, j'irai au rebours pour trouver la personne qui l'écrira. Et j'achèterai le foulard en soie vert pour l'envelopper, en obéissance de la coutume des honnêtes gens. Alors dis-moi, maman. Ah, mon fils, en vérité, tu as choisi une belle fille, et sérieuse, et travailleuse, d'après ce qu'on dit. Je mettrai à genoux, s'il le faut, devant mon pauvre bien-aimé, pour le supplier de ne pas être contrariant. Et je prierai la Vierge des miracles. Vierge des miracles, je dirai, prête ton secours à mes enfants. Mets la main sur leur tête pour les protéger du danger. Et guide leur pas dans la vie, car la vie est difficile. Et la misère est grande pour nous autres pauvres habitants. Merci, maman. Lorsque tu auras fini de comploter avec lui, Delira, tu iras me chercher du tabac chez Florentine. Oui, bien-aimé. Oui, papa. Je vais aller tout de suite. Eh
Oui, je viens de loi, mon vieil, je dis, mon vieil, je l'annonce, mon genou. Madame Dominique, Manuel Douvet de Loa. Manuel Douvet de Loa. Pas de là, achète à l'autre bord. Viens, on est là. Simbian des eaux, en yéo, Simbian des eaux. C'est Manuel qui bat nous de Loa. Simbian des eaux, en yéo. C'est Manuel qui bat nous de Loa. C'est Manuel qui bat nous d'eau. Si bien des eaux, en yé, oh. Si bien des eaux, c'est Manuel qui bat nous d'eau. Si bien des eaux, en yé, oh. Si bien des eaux, c'est Manuel qui bat nous d'eau. Si bien des eaux, en yé, oh. C'est Manuel qui bat nous d'eau. Qu'est-ce que ça vous coûte de se réconcilier? C'est un geste à faire. Quelque part comme pour enjamber un pont et laisser derrière soi les mauvais jours de misère pour entrer dans l'abondance. Hein, compère, que dites-vous? Si l'on pouvait chanter une messe pour Doris Carré Sauveur en même temps, pour le repos de leur âme, ça les réconcilierait dans la tombe. Et ils laisseraient les vivants tranquilles. Parce que c'est ennuyant, les morts mécontents. C'est même dangereux. Et à quoi ça sert à la fin des fins? Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne peut pas se laisser périr. Alors? Alors? Puisque c'est comme ça. On est d'accord. Adieu. Au revoir. Ouais. Alors, ils vont pouvoir oser leur jardin. Et nous resterons à les regarder, le bec sec. Ils ont de la chance, les maudits. Je dis non! Non quoi? Plutôt quitter Fond Rouge que de rester à les regarder jouer de la vie pendant que nous autres, nous continuons à manger la misère. Mon jardin donnait 30 sacs de maïs bien comptés et des patates assez pour engraisser le cochon. Et la terre est toujours là. Une bonne terre qui n'attend qu'un peu d'eau. Tout ça, c'est des causes inutiles. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien à faire. Mais est-ce que vous êtes des hommes ou des chiens? Assis là comme de vieilles commères à égrener le chapelet de leur misère. Parce que seul nec vaillant parmi vous tous, bande de capons. Tu n'as pas ce droit, non? Tu n'as pas ce droit. Chita! Je vais vous dire ce que nous allons faire. On prendra l'eau, on la prendra de force. Ah oui, je suis d'accord. Je suis sûr qu'il ne pourra rien faire. Je parle. Non. Je vous ferai mieux de m'écouter si vous voulez éviter un malheur. Toi, jeune vilain, tu as hérité du défunt d'Oliska un caractère trop chaud. Ta maman, c'est pas pour te faire un reproche. Ma commère Miramise aurait dû te fouetter, mais le macaque ne trouve jamais que son petit allait. Tu parles de prendre l'eau, mais vous finirez tous en prison. La force doit rester à la loi. Il y a une autre nouvelle, elle est d'importance. Anaïs est venue voir ma madame pas plus tard que ce matin. Elle est donc venue, Anaïs. Et d'après ce qu'elle a entendu, il faudrait pour conduire l'eau jusqu'à la plaine, le concours de tous les habitants de Fond Rouge, un combit, c'est une grosse corvée, car les hommes de Manuel ne peuvent pas eux-mêmes faire le travail tout seuls. Alors il faut la réconciliation. S'il n'y a pas de réconciliation, l'eau restera là où elle est forcément. Mais est-ce que vous ne voyez pas que Manuel et Anaïs, c'est des complices? Attention, tu voles de ma soeur. Ferme ta gueule, imbécile! Ah, nègre malédictionné, vous venez jusque dans ma case pour faire couler le sang sans respect pour mes cheveux blancs. Excusez, c'est lui qui a injurié ma soeur. J'ai dit la vérité. Si elle a un goût de sang, la vérité, tant pis. Tant pis trois fois. Si toi, là, Gilles, mets-toi là-bas, je vais dire. Vous autres, vous avez entendu? Que dites-vous? Frère, on veut vous acheter. On veut croquer votre conscience contre un peu d'eau. Fais donc, laisse parler les autres.
Ça demande réflexion. Il y a des nègres, c'est sans sentiment comme des chiens. Bon, rien ne presse. Demain soir, nous nous réunirons pour prendre une décision. Respect de la vie. Copain Javilien, j'ai quelque chose à te dire. Que penses-tu de cette histoire de réconciliation? Vous êtes les maîtres, vous êtes les hommes. Ce sera comme vous déciderez. À Marotia, nous avons de l'eau, nous autres. Mais pour les jardins, l'arrosage n'est même pas nécessaire. La fraîcheur du matin suffit. Au réveil, tout est brillant, mouillé. Il faut voir ça à l'arrosée du matin. Oui, mes amis. La vie est facile à ma routière, grâce à Dieu, oui. Joseph, à mon homme, depuis quelques jours, je voulais être annoncée, je suis enceinte. Alors, tu crois que... Oui. Mais je n'aurai jamais la force de porter ce petit jusqu'au bout si nous continuons à vivre dans cette misère. C'est lui qui commande, ce petit nègre. Je vais dire oui à Gilles. C'est la vie qui commande. Et l'eau, c'est la réponse de la vie. Tu arriveras peut-être avant la gauche à l'heure. Adieu, Deliva. Adieu, mon homme. Fais bonne route, papa. Un entêté. Comme si tu ne pourrais pas faire cette vente à sa place. Sans compter qu'il sera obligé de passer la nuit à Bedet sous une galerie quelconque. En vérité, ce bien-aimé est un homme bien déraisonnable. De toute façon, on a regardé ça. Il part pour du bon. C'est pour nous garder qui jamais s'est déroulé. On a pris le bref loi. Honneur. Entre avec respect. Je vous dis bonsoir, frère. Bonsoir. Avec ta permission, je reste debout devant tes cheveux blancs. Je suis venu avec la paix et la réconciliation. Parle, on t'écoute. C'est vrai ce que je répète. J'ai fait serment sur la tête de ma vieille maman. J'ai découvert une grande source. Des menteries. J'ai fait serment, compagnon Ristan. Je n'ai pas l'habitude de la fausseté. Rappelle-toi que nous étions des jeunes bourgs, pas plus gros que ça. On t'a accusé d'avoir volé des épis de maïs dans le jardin de copains d'Orismont. Je me suis présenté pour avouer que c'était moi-même que mon maman m'a arraché la peau du doigt à coups de fouet. C'est vrai, ma parole. Tu as bonne mémoire. Les épis de maïs, là, je les ai volés pour les faire boucaner dans le bois avec Josapha et Pierre-Élis. À l'époque, on partageait. Et je suis parti pour le pays étranger. Quand je suis retourné, j'ai trouvé Fanrouge saccagé par la sécheresse et plongé dans une misère sans pareil. J'ai trouvé les habitants dispersés par le désaccord.
Il n'y a qu'un seul moyen de sortir de la misère, de la chicheresse. C'est d'en finir avec ce désaccord. On ne peut jamais finir avec le sang. Le sang a coulé, celui de Doriska, mon papa. Est-ce que vous avez oublié? Et Sauveur est mort en prison, la vengeance est accomplie. Non, car ce n'est pas moi qui l'ai tué de mes propres mains. Compère Javilien. Ne m'appelle pas compère, je ne suis rien pour toi. Tous les habitants sont pareils. Tous forment une seule famille. C'est pourquoi ils s'appellent entre eux, frères, cousins, compères. L'un a besoin de l'autre. L'un périt sans le secours de l'autre. C'est la vérité du Cambit. Ne dites pas non. Cette source que j'ai trouvée demande le concours de tous les habitants du Fond Rouge. Et c'est la vie qui commande. Quand la vie commande, il faut répondre présent. Bien parlé. J'ai répondu présent. Dis-moi, est-ce que c'est une eau suffisante? Parce que mon jardin, dans le temps, donnait 30 sacs de maïs bien comptés. Chacun en aura pour ses besoins et sa jouissance. Charogne. Ah, compère Javilien, tu ne ménages pas ta bouche. Tu as sans respect pour ton semblable. Je le regretterai un jour, oui. Voilà un nègre merdant. Je vois. Vous êtes tous contre moi. Vous avez vendu votre conscience pour quelques gouttes d'eau. Quant à toi, la vendrais bien si elle du clair ta conscience. Quant à toi, la rivoire, tu as bien défendu la famille. Je te dis merci. Parce que question de considération pour ton grand âge, je ne te dirai pas comment cette bande de saloperies ce que je pense de toi. Est-ce que tu ne peux pas réfléchir un instant? Est-ce que la raison ne peut pas entrer dans ta cervelle? Non, foutre, je ne veux pas. Tu as croisé deux fois le chemin de Gerville et Gervilis. Une fois, c'était déjà trop. Il paraît qu'au mauvais esprit le tourmente, lui, c'est Javelin. C'est une nuisance, ce nègre. Tu es venu avec honnêteté, nous t'avons écouté. Il est encore trop bonheur pour dire oui ou non. Espère jusqu'à demain. Si Dieu veut, je t'apporterai moi-même la réponse. Je suis déjà d'accord. J'ai répondu présent. Je ne suis pas contre. Moi non plus. Merci, frère, d'être venu. Tu as dit un mot plaisant à entendre, la rivoire. Moi aussi, je vous bâille mon merci, frère habitant. Et si Gervilien ne retourne pas ici, dites-lui, s'il vous plaît, que je n'ai pas de mauvais sentiments contre lui. Que voici ma main. C'est une main grande ouverte pour la paix et la réconciliation. Compère Manuel, j'avais oublié cette histoire de Maï. Le nègre n'est pas ingrat, grâce à Dieu. Nestor Néristan n'est pas ingrat. Salut. Salut. Serviteur. Serviteur. Adieu, mon fils. Tu es un bon nègre. Tu me verras demain avant midi. Il éclairera ta route. La politesse est grande. Cousin, adieu, oui. Adieu, adieu, compère. Adieu, 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 cousin. Adieu. On l'a assassiné, on a tué mon petit à moi. Mes amis, au secours! Au secours, mes amis! Fais maman, fais. Fais-moi rien coucher, maman. Manuel. Manuel. Tu es là, maman? Reste auprès de moi, maman. Je suis près de toi, mon fils. Reste auprès de moi. Tu es réveillé, mon fils. Comment te sens-tu? Comment sens-tu ton corps? Soif.
Tu veux un peu de café? Soit. Ouvre la fenêtre, maman. Dis-moi, Manuel, dis-moi le nom de ce bandit pour que je prévienne Hilarion. Ta mère, maman. Ta mère. Je sens une froidure dans les mains. Réchauffe-moi, maman. Je t'en prie, maman. Tu m'entends, maman? Oui, Manuel, je t'entends. Tu m'entends? Si tu préviens Hilarion, ce sera encore une fois la même histoire. Le sauveur et Doriska. La haine. La vengeance entre les habitants. Et l'eau sera perdue. Va voir l'arrivoire. Dis-lui la volonté du sang qui a coulé. Dis-lui la réconciliation. La réconciliation. Pour que la vie recommence. Pour que le jour se lève sur la rosée. Chantez, chantez, chantez mon deuil avec le chant de Compite. Qu'est-ce qu'elle veut, cette impertinente? C'est toi que j'ai demandé, ma fille. Pauvre, pauvre petite négresse. Manuel! Manuel, non mon Dieu, tu n'es pas bon. C'est pas vrai que tu es bon. Nous te hélons à notre secours et tu n'entends pas. Regarde notre douleur, regarde notre grande peine. Regarde notre tribulation. Où est ta pitié, mon Dieu? Où est ta justice? Où est ta miséricorde? Est-ce que tu dors, mon Dieu? Est-ce que tu es sans entrailles, mon Dieu? Père Anaïs,
Ta bouche dit des péchés. Rassemble ton courage, ma fille, nous allons le payer. Dernière volonté. Il me tenait la main, il est parti avec ma promesse. Sermente que tu garderas le secret. Tu sermentes, oui, maman. Au nom de la Vierge d'Altagrâce. Au nom de la Vierge d'Altagrâce. Aide-moi. Je n'ai pas le courage, maman. C'était ton homme, il faut faire ton devoir. Oui, je ferai mon devoir. Là. C'est moi-même, Delira. Avec respect, voisine, entrez, s'il vous plaît. J'attendais l'arrivée. Je t'attendais. Gervilain. Oui, je sais, mais personne ne saura. Je veux dire, il a rien, l'autorité. Il n'a pas voulu? Non. Non, qu'il disait, il se débattait dans l'agonie. Pour sauver l'eau, qu'il répétait. Il tenait ma main. Il est venu ici le soir même du malheur. Il se tenait sous la tonnelle. Il parlait aux habitants. Je le regardais. Je l'écoutais. Je me connais un homme. C'était un nègre de bonne qualité. Il est mort. Tu as ton compte de chagrin, ma commère. La douleur est grande. Il t'a confié une mission? Oui, et c'est pour ça que me voici. Va chercher déjà la rivière. Il est temps. Mes paroles ont besoin de la nuit. Va chercher tes gens, la rivoire. Il t'a demandé de leur causer? Oui, c'est lui. Mais moi aussi, je veux. J'ai mes raisons. Il faut respecter la volonté des morts. Tu n'auras pas à espérer trop longtemps. Je vais passer chez mon fils Similien. Il préviendra les uns et moi les autres. Ils sont tous dehors. Fais-les rentrer. Fermez la porte.
je ne vois pas Gervilain. Je dis que je ne vois pas Gervilain, Gervilus. Je demande où est Gervilus. Parce que j'avais voulu répéter à Gervilain, Gervilus, les paroles de mon garçon. Il m'a dit, voici ce que Manuel, mon garçon, m'a dit. Vous avez offert des sacrifices aux lois. Vous avez offert le sang des poules et des cabris pour faire tomber la pluie. Tout ça a été inutile. Ce qui compte, c'est le sacrifice de l'homme. Le sang du nègre. C'est une grande parole, oui. Il m'a dit encore, va trouver la rivoire. Dis-lui le sacrifice de mon sang qui a coulé. La réconciliation. La réconciliation. Il l'a dit deux fois. Pour que la vie recommence. Pour que le jour se lève sur la rosée. Et moi, je voulais aller prévenir Hilarion. Mais il me tenait la main. Non, non, qu'il disait. L'eau serait perdue. Faut sauver l'eau. Et le sang noir lui coulait de la bouche. Il y a 77 années, Deliva, depuis que l'eau n'a pas coulé de mes yeux. Je te dis, en vérité, je te dis, ton garçon est un brave garçon, un bon nègre. On ne trouvera pas son pareil de sitôt. Maman, tu as eu grande peine, maman. Oui, mon fils. Mais je ne suis pas venue pour vous raconter ma peine. Je suis venue pour vous rapporter la dernière volonté de mon garçon. C'est à moi qu'il parlait. Mais c'est à vous tous qu'il s'adressait. Chantez mon deuil, qu'il a dit. Chantez mon deuil avec un chant de combite. Prends cette main de Lua. Et notre promesse. Et notre parole d'honneur. Pas vrai, vous autres? Ah oui. Oui, oui, oui. La paix et la réconciliation. Je fouillerai moi-même le canal de votre jardin, maman. Je planterai pour toi, Delira. Nous serons tous là, Delira. Compte sur moi aussi. Merci, mes nègres. Mon garçon vous entend dans sa tombe. Voici comment il l'avait voulu. La famille des habitants réunis dans la Concorde. Mon rôle a pris fin. Seulement, à partir de cet aujourd'hui, nous sommes tous complices. Je ne suis pas venu ici. Vous m'entendez? Et ce sont les fièvres qui ont tué Manuel. Vous me comprenez bien? Oui. Faites un signe de croix sur votre bouche. Témoignez. La rivoire, mon compère, tu laisseras passer une semaine pour faire la part du deuil. Et puis, tu viendras avec tes gens chez l'Aurélien après le lever du soleil. Anaïs, ma belle-fille, vous emmènera tous à la source. Elle connaît la loi. Le ramier bat de l'aile dans le feuillage. Ah ben, voilà que je dépale maintenant. C'est que, mes amis, je suis bien fatiguée. Cette vieille délira, comme vous la voyez. Elle n'a plus de force. Non plus un brin. Et je vous dis bonne nuit, oui. Attends, mon fils Similin va t'accompagner. Mais non, la rivoire, mais non, c'est pas la peine. Malgré la politesse, il y a la lune, il y a les étoiles, je verrai mon chemin.
Bonjour, maman. Oh, bonjour, ma fille. Tu vas affaiblir encore tes yeux. Laisse-moi repriser cette croix pour toi. C'est que c'est une occupation, ma fille. Ah, si seulement là, on pouvait repriser la vie, reprendre le fil qui s'est cassé. Adieu, c'est pas possible. Manuel me disait, et je l'entends encore comme si c'était hier, il me disait, la vie, c'est un fil qui ne casse pas, qui ne se perd pas. Tu sais pourquoi? Parce que chaque nègre, pendant son existence, il fait un nœud. C'est le travail qu'il a accompli. C'est ça qui rend la vie vivante dans les siècles des siècles. La place de l'homme sur cette terre. C'est que mon garçon, pensait pauvre. Gilles m'a dit qu'ils vont amener l'eau dans le canal ce matin. Tu veux pas aller voir? Comme tu voudras, ma chère. Le soleil est chaud. Je vais mettre mon chapeau. Tu as bien attentionné, ma fille. Hey!